L'extenseur du pénis, c'est quoi exactement Comment ça marche Est-ce que ça marche vraiment d'ailleurs Et jusqu'à combien de centimètres on peut gagner en l'utilisant Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Charles.co est une chaîne YouTube et aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, suspicion de déficit de testostérone, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème, vous consultez, le médecin va vous aider à faire le diagnostic, vous proposer un suivi, c'est le faux, bref, vous aidez à résoudre le problème. Vous connaissez ma phrase favorite si vous me suivez depuis longtemps on ne reste pas seul à se dépatouiller des mois et des mois avec un problème sexuel, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles Panko a été fait. Pour vous faciliter la démarche. Et la question de l'extenseur du pénis est une question qui revient assez régulièrement dans les téléconsultations et même dans les commentaires ici sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo spécialement sur l'extenseur du pénis, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et je vous dirai à la fin de la vidéo si c'est vrai que ça allonge la taille du pénis et jusqu'à combien. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la vraie taille du pénis. Toutes ces vidéos sont sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Et dans ces vidéos, je vous ai régulièrement parlé de l'utilisation possible de l'extenseur. Mais vous allez voir, ce n'est pas que pour la taille du pénis, on peut l'utiliser pour d'autres maladies comme par exemple la maladie de la parunie ou autre. Allez, c'est parti pour tout savoir. Numéro 1, c'est quoi un extenseur du pénis Ça ressemble habituellement à ça. Un extenseur du pénis contient les éléments suivants. Il y a 3-4 éléments qui sont toujours présents. Une partie qui se met à la base du pénis. Alors, imaginons que ça, c'est le pénis. On introduit dedans et donc on vient positionner cette partie-là à la base du pénis. Ensuite, il y a des tiges sur le côté. Et ces tiges-là sont réglables et on va pouvoir augmenter ou diminuer. Après les tiges, on a un endroit dans lequel on positionne le gland qui se met ici. Et ce que vous voyez ici... Souple, c'est pour se mettre autour du gland pour pouvoir le maintenir. Et donc, on se retrouve avec la base du pénis qui est entourée par ce, ce cercle, les tiges qui sont tout au long du pénis, le gland qui est positionné ici, et ça, c'est juste pour bien le fixer. Pourquoi c'est souple Pour ne pas abîmer la peau. Et comme les tiges sur le côté sont réglables, on va pouvoir augmenter progressivement la taille de la tige pour allonger le pénis. Numéro 2. Dans quel cas on utilise un extenseur du pénis Il y a différentes situations où on peut l'utiliser. Première situation, c'est dans la maladie de la péronie. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la courbure du pénis. Il y a les courbures congénitales et il y a les courbures liées à la maladie de la péronie qui est un épaississement sur le côté de sur la paroi albuginée, c'est-à-dire la paroi qui entoure les corps caverneux. Ce qui peut donner une courbure et ce qui peut donner aussi à la longue un rétrécissement de la taille du pénis. L'extenseur peut être utilisé soit seul, c'est-à-dire sans aucune intervention chirurgicale ni d'injection pour la maladie de la péronie, pour étirer, ce qui va donc redonner une élasticité et permettre à cette plaque-là de ne pas continuer à être rétrécie, calcifiée. Et l'extenseur du pénis peut être utilisé après un traitement de la maladie de la péronie, en particulier si on a fait des infiltrations dans la plaque et on rajoute l'utilisation de l'extenseur pour continuer à fissurer cette plaque et retrouver de l'élasticité. Donc, Première utilisation, c'est dans la maladie de la péronie. Deuxième utilisation, c'est après des interventions, soit sur le pénis, soit au niveau du, euh, du pelvis, en particulier après un cancer de la prostate, après un cancer de la vessie. Ce type d'opération peut étirer, ce type d'opération peut tirer le pénis légèrement vers l'intérieur, parfois de façon importante après une, une chirurgie, et donc l'extenseur peut être utilisé pour éviter cette rétraction du pénis et garder une bonne taille. Autre utilisation, c'est dans des maladies qui donnent des rétrécissements du pénis. Quand je vous ai fait la vidéo sur comment éviter le rétrécissement du pénis avec l'âge, je vous ai dit que plus on prend soin de nos artères, et mieux c'est parce que c'est de la circulation du sang qui a lieu dans le pénis et qui permet de garder un bon volume et une bonne oxygénation. Des maladies comme le diabète, en cas de tabagisme, etc., peuvent donner une légère perte de taille du pénis. Et dans ce cas-là, on peut aussi utiliser l'extenseur pour éviter cette rétraction. Et enfin... J'ai gardé pour la fin l'utilisation la plus courante de nos jours. C'est simplement pour allonger la taille de pénis chez des personnes qui trouvent que leur pénis est de petite taille ou qui aimeraient allonger légèrement. Mais est-ce que ça marche vraiment pour allonger le pénis quand on n'a aucun problème de santé Juste pour des raisons esthétiques. La réponse à la fin de la vidéo. Numéro 3. Comment ça marche Le principe de l'extenseur se fait sur deux choses. Premièrement, c'est l'effet mécanique pur. Comme on a la tige qui est ici, et qu'on va l'allonger régulièrement. Je vous dirai juste après à quel rythme et comment on fait. Quand on va étirer, ça va étirer naturellement, ça va tracter le pénis et ça va faire un effet purement mécanique. Je donne souvent la comparaison avec le lobe d'oreille, par exemple. Si quelqu'un porte une boucle d'oreille pendant très longtemps, le lobe d'oreille va un peu à la fois s'allonger. Les tissus mous, quand il n'y a pas d'os, cartilage, peuvent s'allonger sous l'effet de la traction. Mais il y a un autre effet c'est qu'en étirant le pénis, ça oblige le pénis de se remplir de sang et de se remplir de cellules nourricières. Donc, en quelque sorte, ça force, quelque part, les cellules à se reproduire de façon plus importante. Est-ce qu'il y a des risques à l'utiliser Si on utilise les extenseurs, comme indiqué dans leur fiche, comme je viens de vous expliquer de façon progressive, il n'y a pas de risque. Les risques et les problèmes viennent de quoi Ils viennent du fait que... Soit on a très mal positionné l'appareil. Tout à l'heure, je vous ai montré cette partie qui est très souple qu'on met sur le gland. Ben, si, par exemple, on la remplace par quelque chose de solide en se disant « ça va mieux maintenir le pénis ben, », ça peut abîmer la muqueuse et la peau et ça peut donner des lésions. Mais surtout, le risque vient du fait qu'on va y aller trop vite. On est impatient que ça fonctionne. Et donc, on va allonger la, les tiges sur le côté à un rythme beaucoup plus important que ce qui n'est conseillé. Je vous le dirai juste après, lequel est conseillé. Ou alors, on va se mettre à utiliser des tractions avec des douleurs et on va penser que c'est bien, je souffre, donc c'est en train de tirer dessus. Évidemment, ce n'est pas 100% confortable, mais ça ne doit pas être douloureux. Si on force, soit on augmente trop rapidement la taille des tiges, soit on, on force jusqu'à avoir mal, soit on étire le pénis de façon totalement, d'un coup, on va mettre une taille plus longue. C'est dans ces cas-là qu'on peut avoir des lésions. En fait, ça va fissurer à l'intérieur, ça va faire des micro-lésions. Ces micro-lésions peuvent mal cicatriser. Et si ça cicatrise mal, ça va donner maladie de la péronique et donne une rétraction. Donc toujours, si on utilise un extenseur, on respecte le fait que ça demande du temps, ça demande de la patience et on ne brusque jamais le pénis. Numéro 5. Justement, à quel rythme il faut l'utiliser au début, quand on utilise l'appareil, je vous conseille que les premiers jours, vous puissiez l'utiliser uniquement pour vous habituer. Vous pouvez le mettre 5-10 minutes simplement, ne serait-ce que pour s'habituer à avoir cet appareil qui est positionné sur le pénis et à bien l'utiliser. Ensuite, au bout de quelques jours, vous pouvez le positionner et utiliser une extension, une traction qui fait que vous sentez que le pénis est légèrement étiré. Ne jamais, jamais, jamais avoir mal. Une fois que vous sentez que c'est légèrement étiré, vous laissez en place et vous laissez ça une demi-heure. Et vous faites ça pendant une semaine. La semaine d'après, vous allez allonger un peu plus. Et vous allez le faire 45 minutes. Et puis, on augmente très progressivement comme ça. D'une semaine à une autre, on augmente de 1 ou 2, de 1 millimètre à peine, parfois 2 millimètres, mais on ne va jamais beaucoup plus rapidement que ça. Et on augmente le temps avec lequel on utilise, puisqu'il faut que ça soit utilisé de façon progressive sur de longues heures pendant plusieurs mois pour avoir des résultats. Et si on est patient comme ça, et si on le fait de façon progressive quel résultat on obtient Numéro 6, quel résultat on peut obtenir Lorsque c'est utilisé dans la maladie de la péronie, le résultat, c'est surtout essayer de corriger la courbure du pénis et essayer d'éviter la rétraction du pénis liée à la fibrose. Des études montrent qu'effectivement, ça apporte quelque chose. C'est mieux avec que sans en particulier lorsqu'il y a déjà eu un traitement par infiltration et qu'on associe l'extenseur. Dans d'autres maladies comme le diabète après un cancer de la prostate après un cancer de la vessie, dans le cas où il y a une rétraction du pénis, là aussi les études montrent que ça permet de limiter la rétraction ou d'éviter la rétraction. Et si on l'utilise juste pour une raison esthétique d'allonger la taille du pénis. Les études montrent qu'on peut gagner jusqu'à 1 cm à 1 cm et demi à condition qu'on ait utilisé l'extenseur pendant plusieurs semaines durant lesquelles on a utilisé minimum 6 heures. Donc vous voyez, c'est pas une demi-heure pendant deux trois semaines, c'est pas 2 3 heures pendant un mois ou deux, c'est progressivement jusqu'à atteindre 6 heures par jour et que ce délai de 6 heures par jour qu'on puisse le tenir pendant deux trois mois et là on va avoir les résultats. Donc c'est contraignant, il y a un résultat au bout mais ça demande beaucoup de patience. Et c'est pour ça que dans les études, on arrive à montrer qu'il y a un résultat. Alors que quand c'est les hommes qui l'achètent d'eux-mêmes et l'utilisent, ils, ils disent Ah, oh, ça n'a pas marché. Et on se rend compte que c'est parce que c'est trop contraignant. Ils ne vont pas jusqu'au bout et ça peut se comprendre. Voilà, j'espère que vous savez tout sur l'extenseur du pénis. Dernier détail, si vous achetez un extenseur de pénis, achetez un extenseur de pénis fiable. Ceux qui ne coûtent pas cher du tout, 10-15 euros. En général, la tige, elle ne tient pas, ça casse. L'appareil n'est pas solide, n'est pas fiable. Et donc finalement, vous allez acheter et ça servira pas à grand-chose. Demandez à votre médecin déjà. Est-ce que dans votre cas, c'est utile d'utiliser un extenseur Et demandez-lui s'il peut vous conseiller un extenseur de bonne qualité, au moins pour ne pas se blesser avec, et aussi pour ne pas acheter pour rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des commentaires, abonnez-vous, likez, faites vivre cette chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez déjà utilisé les, les extenseurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça a été facile à utiliser pour vous ou non. Dites nous aussi si vous avez réussi à avoir un gain de taille. Moi, je vais vous préparer plein de vidéos sur plein, plein de sujets, pas que sexualité. Restez donc connecté à votre chaîne charlesco. Allez voir les autres vidéos et moi, je reviens très vite avec des nouvelles vidéos. À bientôt. Prenez bien soin de vous.